Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah, si, y a plus de c'est vie. Quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va maquiller la 206. Avant tout, n'oubliez pas le petit like, le commentaire, c'est gratuit. Ça donne de la force et ça fait plaisir. Mais surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Strass, paillettes et pots de peinture, plongeons-nous ensemble dans l'enfer multicolore. Un reportage signé Ruby Nicara, la queen toute pétée de Wish. Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Mettons ensemble un peu de paillettes dans votre vie. Bon, ça commence bien tout ça. Un peu de paillettes. Un peu de paillettes dans vos vies, c'est magnifique. Oh non, t'as un chien! Que t'es belle! On va faire comme Ariel la petite sirène. Attends, refais. Ah, oh, mais t'es vraiment pour maintenant, chien. Pour maintenant, attends. Je te jure. Allez, fais la petite sirène. Est-ce qu'on peut dire qu'on ressemble à un arc-en-ciel aujourd'hui? Genre le petit rayon de soleil qui vient te mettre de bonne humeur. Non, parce que franchement, c'est pailleté. C'est très coloré, putain. Plus con que certaines personnes. Mais là, enfin, fermer la voiture à clé en laissant les clés à l'intérieur, faut vraiment être très con. Ouais. Tu veux prendre un peu de paillettes, tu fermes le coffre, les clés restent à l'intérieur, la voiture est fermée. T'es bloqué. Rien à rajouter. La connerie suffit. Ouais. On est bloqué. Le tournage est bloqué. Plus de voiture. Et les paillettes s'en vont. Belle journée. Belle journée, ouais. Bah ouais, un truc fait exprès pour les voleurs. Comme ça, bah, dès que ta voiture elle est fermée, bah, direct tu peux l'ouvrir, tu vois, pas besoin de clé. Putain. Continue en plus, hein, t'as été con, il faut que tu en rajoutes. Non, non, mais j'essaye, vas-y. Tu vois, j'ai continué de filmer, je sentais le... Tu vois, ouais. Je sentais l'odeur de la connerie arriver. Non, non, mais je sais pas, gros, il y a un trou, là. Deux trous. Pas moyen de dévisser, mais on va pas tourner. Lui, il s'est dit, il y a un truc, on peut ouvrir sans les clés, pas vrai. Et genre, t'as découvert ça, Malcolm, putain, et merci Einstein. Hein. On peut ouvrir une voiture sans les clés. Putain, fais chier. En plus, elle a pas quelqu'un qui est une Peugeot. Ouais, c'est 206, elle a dans la même clé, non? Bah oui, mais t'habites dans quel monde? Bah je sais pas pourquoi j'ai 206, gros. Je me dis vas-y c'est bon. Bah oui. Du coup maintenant tu peux péter n'importe quel 206 de la planète, tu peux la conduire tout ça déjà. Quand je t'ai dit il y a des moments où faut que t'apprennes. Il y a des moments, tu vois, il y a des moments où faut savoir fermer sa gueule. Ça, c'est ce moment là. Mais tu l'as loupé. Et deux fois. Je t'ai prévenu encore après, t'as recommencé. Au pire, faut demander à la dame qui passe là si elle a une clé de 206. Bah oui, si elle a une clé de 12, ouais. Bonjour. Vous auriez pas une... Vous avez une voiture? Vous avez une Peugeot ou pas? Ah, dommage. Je suis bloqué avec ma voiture du coup. Ouais. Ah, parce que c'est une Peugeot. Ah bah pour ouvrir ma voiture, parce que je me dis que peut-être les Peugeot elles ont la même clé en fait.
je pousse dans la connerie en fait. Non mais c'est pas grave, c'est gentil. Y'a moyen, on retourne la voiture, on passe par le pot d'échappement. Le MacGyver. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh putain, c'est ça qui est maintenant. Tuto, comment casser son antenne de voiture? Elle fonctionne pas. C'est pour le design en fait. Il est où le truc de sécurité sur les bagnoles? Oh, il est à l'intérieur le truc de sécurité. Eh ben, il n'y a pas moyen de... Bah, il faut le lever en fait, donc là, à part le pousser, tu bah. Rien. Ah bah. T'as pas de crochet au bout. Faudrait un crochet, ça va être tout pour elle. Oh, c'est de la merde. Découvrons Malcolm Rager. Ah non mais je vais râler, en c'est moi l'abruti. Sérieux. Tu peux t'engueuler, tu peux. Ah bah j'ai que ça à faire. Bah là oui. Ah oui. Bientôt il va me dire, t'as pas un aimant, on essaye de... de déverrouiller la porte. Y'a moyen avec un aimant en vrai. Genre ça, tu peux pas. Ah merde. Tuto réussi. Et voilà comment on fait. Moi je filme quand il y a des conneries. Du coup tu fais que ça. Je vais plus avoir de place. Alors que comptes-tu faire? Regarde l'intelligence là. Moi j'ai un prêt avec cette portière là, et du coup tu peux rentrer comme dans du bloc. Voilà. Et ensuite? Bah normalement. Ouais c'est vrai, j'ai pas de crochet, du coup j'aurais pu atteindre. Non c'est pas rouvert par magie. Attends, essaye. Non. C'est peut-être que. Le moment le plus intéressant de la vidéo, la voiture fermée à clé. Merci bien. Bah c'est intéressant de voir les fails aussi. Ouais, c'est sûr. Mais bon là, faire de la merde comme ça, c'est rare. Justement, c'est pour ça que je filme. Faut garder des traces de ces conneries là. C'est pas tout le temps que je fais de la merde comme ça. Oh. C'est pas tout le temps que c'est filmé. Bon, petit update, on a réussi à ouvrir un carreau. Maintenant, il faut réussir à ouvrir la voiture. Ça va? Ouais, je suis pailleté là. Je te fais pas de bisous, mais c'est la voiture, elle est là-bas si tu veux. Oh. Non, non. T'as le double? Comme ça, je vais pouvoir l'ouvrir. Attends, je te ramène le truc. Tu veux pas voir l'état de la voiture? Ah, non, pas la peine. Attends, je te ramène ça. Hein? Bah là elle est belle là. Elle est belle. Ah c'est mieux là. Et heureusement que t'as un double hein. Heureusement que t'as un double de la voiture putain. Alléluia. Hein? Maintenant il était ouvert le carreau. Bah parce que mon bras il passe pas dans le carreau. Et puis sur ta voiture il n'y a pas de bloqué ici là donc du coup on peut même pas. Ouais, c'est dommage. Mais ouais putain. Heureusement que t'as un double, c'est gentil papa. Bon, je vais tenter de réaliser une belle traînée. J'ai le droit qu'à un seul essai, j'ai pas intérêt à me rater. C'est parti.
Let's go. Ah, ce soir, ça se trouve, je vais péter des paillettes. Il y a moyen. Putain, les gens, ils ont pas de... Il n'y a pas de réaction. Car on passe devant l'arrêt de bus, il n'y a pas de réaction. Genre, c'est pas tous les jours que tu vois une voiture pailletée. Bah, il y a le gars qui a le masque blanc, il a vu, mais c'est tout, quoi, il a vu. Merci à tous d'avoir suivi ce relooking extrêmement pailleté. Si cela vous a plu, mettez un peu de paillettes dans les commentaires et en likant cette vidéo. C'était Malcolm et je vous dis à la prochaine tout le monde.